صفة التيمم Quelles sont les caractéristiques du tayammum des ablutions sèches? ينوي بقلبه Tu dois avoir l'intention avec ton cœur. يسمي يقول بسم الله Tu dis bismillah. ثم يضرب بباطن كفي على الأرض Tu frappes la terre avec les paumes. ضربة واحدة فقط Et tu tapes une seule fois. سواء كانت الأرض من صخر حصى Que la terre soit composée de pierres, ou bien de sable, ou bien d'argile, ou bien de sable. Alors que, si j'aime, alors que le tissu, bien sûr la céramique, ou bien sur le bois, non. Donc les ablutions sèches ne sont pas bonnes. Donc il faut que ce soit quelque chose de naturel comme le sable et les pierres ou la terre. Donc on frappe une seule fois. Ensuite on essuie la figure. Ensuite le côté externe de la main droite. Ensuite le côté externe de la main gauche. Et ensuite, les ablutions sont faites et il peut prier avec. Quand est-ce qu'il est légiféré de faire le tayammum? Si jamais tu ne trouves pas de l'eau. Ou bien, l'eau est disponible, mais son utilisation est difficile. Et comment? Elle peut causer des torts. Là, il fait très froid. Ou bien une maladie. Wallahu a'lam.